Une vague de plaintes agite les champs de fraises en Espagne. Des plaintes déposées par des saisonnières marocaines contre leurs employeurs en Espagne sèment l'émoi en Andalousie, où 16 000 jeunes mères marocaines avaient été embauchées cette année pour la cueillette des fraises, dans des conditions de « grande vulnérabilité ». Dans la province méridionale de Huelva, qui fait de l'Espagne le premier producteur de fraises d'Europe, les investigations judiciaires ont été lancées fin mai. Au moins 12 plaintes ont été enregistrées, selon le parquet provincial. 8 Marocaines et 4 Espagnoles, qui récoltaient les fruits dans 3 domaines agricoles différents, ont dénoncé des situations de harcèlement au travail et sexuel, ainsi que des viols ou tentatives de viol. Belén Louran, une de leurs avocats, affirme que des dizaines d'autres ont trop peur pour le faire ou sont déjà retournés au Maroc. Plusieurs responsables ou chefs d'équipe ont déjà été mis en examen pour abus sexuels présumés, a indiqué le parquet sans préciser leur nombre. Une saisonnière marocaine dans sa chambre, le 12 juin 2018 près de Malaga Copyright AFP, Christina QICLER dans cette province, le nombre de Marocaines recrutées directement dans leur pays pour la saison de la fraise, février-juin, est passé de 200 en 2001 à plus de 16 000 cette année. L'Espagne est le premier exportateur de fruits et légumes d'Europe, rappelle le professeur d'économie José María Sumpsi, dirigeant de l'organisation Économistes sans frontières. Mais, dans les régions de culture intensive, il n'y a quasiment plus de main-d'œuvre espagnole. Pour postuler au Maroc, il faut obligatoirement être une femme de 18 à 45 ans, issue du milieu rural, en bonne santé, et avoir des enfants de moins de 14 ans, pour s'assurer qu'elles retourneront au pays après la récolte, selon un document en arabe de l'établissement public marocain en charge de l'emploi ANAPEC. 0,75 euros la cagette. Les contrats de 3 mois prévoient un salaire de 39 à 40 euros pour 6h30 de travail par jour, avec repos le dimanche. 8 Marocaines et 4 Espagnoles ont dénoncé des situations de harcèlement au travail et sexuel, ainsi que des viols ou tentatives de viol. Copyright AFP, Christina QICLER. Mais à notre arrivée, on nous a dit que c'était la deuxième récolte et qu'on serait payé au rendement, 0,75 euros la cagette de 5 kilos, assure sous le couvert de l'anonymat une des plaignantes rencontrées par l'AFP, assurant qu'il fallait cueillir les fraises très, très vite, sous peine d'être privée de travail plusieurs jours. Le contrat prévoit aussi un logement gratuit, mais on dormait assis dans un préfabriqué, très rudimentaire, pour lequel on nous retirait 3 euros par jour, ajoute-t-elle. Analphabète, les femmes signent ce qu'on leur dit et ne réclament rien, elles disent « tais-toi, si tu veux revenir l'an prochain », fraise pleine d'humiliation. En Europe, au 21e siècle, on ne peut pas vendre la fraise comme ça, pleine d'exploitation, d'abus, d'humiliation, s'indigne Diego Canamero, journalier agricole devenu en 2016 député du parti de gauche radical Podemos. L'entrepreneur peut respecter ou non le contrat signé, il n'y a pas de contrôle, accuse-t-il, en réclamant la création d'un corps spécial d'inspecteurs visitant les champs au quotidien, pour la fondation CEPAIM, visant à favoriser l'intégration des migrants. Ces femmes se retrouvent en situation de grande vulnérabilité du fait de la nécessité impérieuse d'obtenir des moyens de subsistance pour leur famille. Elle débarque, sans parler l'espagnol ni connaître la convention collective, constate le coordinateur local de CEPAIM, Javier Pérez, et sont souvent logées au milieu des domaines, sans soutien social, en cas d'abus. Analphabète, les femmes signent ce qu'on leur dit et ne réclament rien, elles disent « tais-toi, si tu veux revenir l'an prochain ». Copyright AFP, Christina QICLER. CEPAIM, qui a visité des dizaines de fraiseries au printemps, confirme des cas de « passeports confisqués », de femmes laissées sans travail plusieurs jours pour les punir de ne pas ramasser suffisamment de fraises, de paye retenue jusqu'au jour du retour. Certains patrons les considèrent comme de la main-d'œuvre mais pas des personnes, dit Javier Pérez, tout en assurant que ce ne sont que
des cas ponctuels, le gouvernement régional d'Andalousie a annoncé le 13 juin qu'un protocole « tolérance zéro » était élaboré avec le secteur pour l'an prochain. Il prévoit la formation des responsables de la cueillette aux questions de genre, le recrutement de médiateurs neutres, la remise de tracts aux saisonnières pour leur expliquer leurs droits dans leur langue. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.